Merci parce que choisi utiliser méthode autopilote Computer Bargains Training Center pour capable améliorer tête dans technologie et pour capable apprendre utiliser ordinateur. Non pas moins, c'est ingénieur Jean-Louis. Jeudi, nous allons couvrir ensemble avec vous comment Windows Desktop là fonctionner. Nous allons expliquer aux différents éléments qui gagnent là-dedans et nous allons voir 5 éléments qui sont plus importants dans Windows Desktop là pour capable fonctionner bien facile ensemble avec Personal Computer. À nous démarrer. Windows Desktop, c'est ça qui est devant nous là qu'on y a là. Nous avons plusieurs images, plusieurs small pictures qui paraissent là. Nous avons un grand picture qui paraît dans le fond. Et nous avons une série d'éléments qui chita en bas écran. Nous sommes capables de diviser Windows Desktop là en trois grandes parties. Nous pouvons diviser en icons. OK? Ça veut dire icônes. Nous avons une icône qui est sous écran et nous avons une icône qui est en bas dans la taskbar là. Nous avons une image de fond, c'est la deuxième partie nous sommes capables de diviser. Et troisième partie, c'est ça, nous avons une taskbar là qui a tout élément ça sous lui. Mais cependant, il y a cinq éléments dans tout ça que nous montrons nous là qui est important pour nous connaître, pour nous capables efficaces dans utiliser Windows 10. Premier élément, c'est Start menu. Hein? Si vous cliquez sur le bouton ça, tout programme. Deuxième élément qui est important, c'est search box là. Des fois, c'est juste une loupe lui montrer. Des fois, c'est une box lui montrer. Très facile et très rapide. C'est la meilleure façon qu'on peut chercher un programme ou bien un document sous computer. En nous fermant un programme WordPad là. On dit qu'on si moins besoin changer ça les notification que moi recevoir dans le computer, différents messages que ma PD recevoir dans le computer de temps en temps. C'est moi de changer qui côté pour m'aller. Donc ça c'est un settings que lié. Moi qu'a toujours aller dans même côté à toujours dans search box là. Et puis on va taper date. Même si moi pas fin trop code, je moi fin songer bien. On met taper là-dedans, non seulement l'a chercher information météo sous computer pour vous, tel que qu'on y a les joindre information ça sous computer pour moi notification. Et puis il dit c'est best match que les joindre et ça c'est système settings. Ça veut dire qu'a changer configuration computer. Mais comme ça tout, dès qu'a aller dans option ça yo. Option ça yo, surtout ça là, dernière option ça. Li capable mener sur internet là, li ka chercher information pour moi online. Donc même si m'pa joindre ça m'a chercher sous computer pour aller online li pour chercher pour moi. Maintenant, si ou même ou connaît qui côté soit chercher à c'est sous computer allié ou pas supposé aller dans section online là, rester dans section qui dans computer. M'cliquer sur notification et puis qu'on y a mes système settings en ouvert pour moi. Toute configuration que je voulais faire sous notification pour me changer ça qui programme moi t'a remis voyez notification pour moi mon ca venir là-dedans moi changer là ça sont l'autre leçon que n'a pas rentré puis devant là-dedans c'est pour qu'on y n'a pas fait mais cependant notification c'est un système settings que lié ou capable aller ou chercher dans search box là so deux éléments m'a rentré montrer nous là m'a montrer aux éléments qui relaient start menu hein? Et là, nous sommes capables de prendre n'importe quel programme qu'on a besoin pour capable travailler. Deuxième élément que vous montrez, c'est search box. Vous pouvez aller dans search box ou taper nos programmes qu'on a besoin, bien nos documents qu'on va chercher pour qu'on ouvre, pour qu'on travaille. Dans le son cap vini, je préfère en pile dans search box parce que c'est là que nous avons nous démarrer une série de petits programmes qui sont faciles, qui sont communs sous le computer. Troisième élément que je vais montrer nous qui est important, c'est différents icônes. Ça yo. Plan, et m'gen icône en bas dans taskbar là. Icône qui sur desktop yo, yo rele yo desktop icons. Si m'a besoin démarrer une là-dedans yo, une icône ça démarrer programme nan, exécuter programme nan, m'ape double clic. On dit que je vais sur Internet, aller online. Je double-clic sur Google Chrome. Et puis, programme Google Chrome a démarré. Et puis, je vais maximiser.
Et puis, nous sommes capables de dire que nous sommes nous en ligne. Si nous voulons démarrer Microsoft Edge, nous allons cliquer sur Microsoft Edge. OK? Maintenant, nous allons taper qui web, qui site électronique que nous voulons aller. OK? On va aller dans techwayless.com, c'est un website qui vend et différents accessoires électroniques. OK, so mercredi nous les gens web site électronique ça est ouvert et nous capable aller visiter. OK, mais site électronique là. So pour démarrer un desktop icon ou desktop programme, ou double clic sur desktop icon là, mais si c'est un taskbar icon lié, c'est une seule fois pour cliquer sur lui pour le démarrer. On nous ferme Microsoft Edge. On nous ferme Google Chrome là. Et puis qu'on y a nous tourner sous desktop là encore. Ça fait quatre éléments que m'gata montrer nous. Deux derniers que montrer nous hein, c'est desktop iconio avec taskbar iconio. Différence qui gagne dans yo deux là, c'est que pour démarrer un logiciel à partir de desktop icon là, faut double click, et pour démarrer un logiciel à partir de taskbar icon là, ou single click, on clique une seule fois. Cinquième truc et dernier élément que me besoin montrer, monter volume son qui a joué qu'on y a là, capable monter volume là, plus gros que chiffre là, c'est plus grand que volume là jusqu'à 100%, comme ça nous carré du volume là tout. OK, des fois soit tande un vidéo, soit tande une musique sur internet ou musique sur computer, ou tande la c'est ou ka monter volume nan et c'est nan icône ça, tu me retourner là encore, on voit qui shape icône nan marqué speakers. C'est nan icône ça pour venir pour capable monter volume ou bien descendre volume speaker qui nan computer. Moi souhaiter que nous bien comprendre cinq éléments que montrer nous là dans desktop Windows 10 là qui important que nous toutes supposer qu'on est en tant que débutant. Premier c'est start menu, c'est là que tout programme ouyé sous computer, tout apps c'est là ouyé. Deuxième bouton que nous supposer qu'on est c'est search box là, quelque chose soit chercher sous computer là quand vient là ou taper ou bien sur internet ou chercher ou joindre li là. Troisième élément qu'on besoin connaître c'est desktop icons yo, faut double clic sur desktop icons yo pour démarrer logiciel là, et si c'est un taskbar icon que lié on peut cliquer une seule fois pour capable démarrer. Et cinquième truc là, cinquième élément que supposé connaître c'est speaker, supposé monter volume sur computer pour qu'attendre plus fort sa musique sur computer ou bien pour capable descendre volume là pour pas déranger en quelque.